Ce n'est pas une blague. Si vous buvez de l'eau de gingembre chaque jour, voici ce qui va vous arriver. Depuis que j'ai commencé à prendre ceci, ma vie a complètement changé. Si vous êtes intéressé par les sujets bien-être et les remèdes naturels, pensez à vous abonner sur cette chaîne. Cliquez sur la clochette de notification pour toujours être au parfum de tout ce que je publie sur YouTube. Et si vous avez déjà rejoint cette belle communauté, alors je vous en remercie. N'hésitez pas à marquer votre nom et votre pays dans les commentaires pour que je sache d'où vous me suivez. Ça me fait tellement plaisir. Cette recette est très simple, très facile à préparer. Et en plus, les ingrédients de base, nous pouvons les trouver dans n'importe quel supermarché. Pour finir, cette recette n'a que des avantages pour notre organisme. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le gingembre et comment ceci s'appelle dans votre pays. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de cette combinaison. Quels sont les avantages et surtout, quelle est la meilleure façon de préparer cette boisson? Alors, ne partez pas sans avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous dire aussi dans quel état de santé vous ne devriez absolument pas consommer ceci. Voici 7 avantages de boire de l'eau de gingembre ventre vide. En numéro 1, ceci contrôle la rétention d'eau, c'est un diurétique, a des propriétés anti-inflammatoires. En numéro 2, favorise la santé digestive, les gens habitués à consommer cette boisson à jeun ont moins de problèmes de constipation et d'indigestion. Ceci pour la simple raison que le gingembre est riche en fibres, un nutriment qui aide à éliminer complètement les déchets du côlon et peut aider à contrôler l'excès d'acide dans l'estomac. Lutte contre l'accumulation des gaz intestinaux. Mes amours, partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Partagez, partagez et partagez. En numéro 3, ceci aide à la circulation sanguine. Consommer de l'eau de gingembre à jeun est une habitude qui va vous aider à améliorer la circulation du sang. Ceci aide à réguler le niveau de magnésium, de zinc et de potassium. Permet de réguler le processus anti-inflammatoire qui cause souvent des problèmes de circulation et peuvent aussi diminuer l'accumulation du cholestérol dans les artères. Donc, aussi protéger votre santé cardiovasculaire. En numéro 4, renforce le système immunitaire. Prendre cette boisson tous les jours, c'est un moyen simple de fournir des nutriments supplémentaires pour la santé du système immunitaire de notre corps. Cette habitude aide à garder les défenses actives et aide à son tour à stimuler le processus d'anticorps qui équilibre les effets néfastes des agents nocifs. Leur consommation avec l'estomac vide peut empêcher la toux, le rhume, la grippe et les infections vaginales et même celles des voies urinaires. En numéro 5, ceci aide en cas de maladie auto-immune, soulage les douleurs articulaires, ceci a des effets anti-inflammatoires et analgésiques. Donc ça va soulager vos douleurs. En numéro 6, ça va empêcher les crampes. Les personnes qui ont généralement des crampes musculaires peuvent trouver un soulagement naturel sans danger dans l'eau du gingembre. C'est à cause de son contenu important en minéraux essentiels qui, une fois assimilés, aident à réguler les électrolytes du corps pour justement prévenir ces symptômes. En numéro 7, prévient le vieillissement prématuré. L'eau de gingembre est une boisson parfaite qui aide à adoucir les effets néfastes des radicaux libres dans les tissus par sa haute concentration en antioxydants, en minéraux et en vitamines. Ces substances inhibent les dommages causés par les cellules et sont cruciales dans la prévention des maladies chroniques comme le cancer, l'Alzheimer, l'arthrite et bien d'autres. Car ils aident à désintoxifier l'organisme, ces effets sont également bénéfiques pour la santé de votre peau. Maintenant que vous connaissez tout ceci, je vais vous montrer comment préparer de l'eau de gingembre correctement. C'est très simple et ceci ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients et ce n'est pas coûteux, ce n'est pas difficile à avoir. Ça ne va vous prendre que quelques minutes par jour pour profiter de leurs avantages. Ingrédients, vous aurez besoin d'une cuillère de gingembre râpé, mixé ou même écrasé ou pilé, bref, ce que vous voulez. 3 tasses d'eau, le jus d'un demi-citron et une cuillère de miel bio, ceci est bien sûr optionnel. Préparation. Pour râper la racine, vous la pilez ou vous l'écrasez comme on a dit plus haut. Une fois que c'est bon, vous mettez ceci dans un pot avec 3 tasses d'eau. Vous laissez bouillir pendant environ 15 minutes à feu très doux et vous ajoutez le jus du citron. Après cela, vous le retirez du feu. Quand il est à bonne température, je veux dire température ambiante, hein, servi en douceur avec une cuillère de miel, ceci est optionnel. Prendre une tasse avec un estomac vide, vous pouvez répéter la consommation jusqu'à 3 fois par jour, ça va changer votre vie. Ce petit remède va vous éloigner de beaucoup de maladies et même de beaucoup d'infections. Maintenant, voici dans quelles conditions vous ne devez
absolument pas consommer ceci. Avant, je voudrais savoir dans quel pays est-ce que vous me regardez. Cela me permettra de savoir de là où vous me soutenez. Et n'hésitez pas à partager ceci, mes amours, avec la famille, les amis, via les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche là tout de suite pour savoir dans quel contexte vous ne devez aucunement consommer le gingembre. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ceci jusqu'au bout. Pensez à la clochette de notification, likez, commentez. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous, bisous.